Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo sur les colubrides asiatiques. Et là, j'attaque un genre qui est pas facile à prononcer. C'est les Oreocryptophis porphyraceus. Donc, je vous montre un petit peu de quoi je parle. Je parle de ça. Voilà. Le serpent des bambous. Donc, c'est un genre qui regroupe qu'une seule espèce. Mais cette espèce-là regroupe 6 sous-espèces. Donc, dans les 6 sous-espèces, vous avez la coccyle, la ticinta et la pulcra qui sont les plus communes, les plus connues, à des prix qui sont assez attractifs, et on les trouve sans trop de difficultés. Et après, vous avez 3 sous-espèces qui sont bien plus compliquées à trouver, c'est la porphyraceus, la kawakami et la vaillanti. Donc, même sur le site de Terraristique sur AM, bon, on trouve déjà pas mal de choses, mais certaines sous-espèces, moi, je les ai pas trouvées là-dessus. Peut-être que sur un même ou sur Wooten, vous allez en trouver, mais je sais qu'il y en a certaines qui sont pas reproduites. Donc on va commencer par les espèces les plus communes, je vais vous dire un petit peu à combien on peut les trouver à l'heure actuelle, et puis vous dire un peu comment les reconnaître. C'est parti! Alors on commence par la coccyle, qui est l'une des plus communes. Son prix varie entre 50 et 100 euros. Bien sûr, quand on les prend en bourse ou à des particuliers, si vous allez sur des sites spé comme la ferme tropicale par exemple, là ça va monter au plus autour des 150 euros unité. Donc là, la coccyle, elle est facile à reconnaître, elle est toute rouge et il y a deux traits noirs, elle est lignée en fait sur les flancs, ça part du museau, des yeux jusqu'à la queue. Voilà. Ça, il y a aussi un autre trait sur la tête. Donc ça, c'est la tête, en fait elle est commune à toutes les espèces. C'est trois traits, en fait vous avez un trait qui fait toute la tête sur au niveau du front jusqu'au museau, et après vous avez toujours deux traits qui partent des yeux jusqu'à la queue. Des fois c'est plus ou moins visible. La coccyle, c'est celle-là, toute rouge avec ces traits là il n'y a rien de plus, rien de moins. Maintenant on va attaquer la pulcra. La pulcra, qui est aussi assez commune, hein, pareil, son prix varie entre 50 et 100 euros pièce. Là par contre on a un serpent qui a un changement ontogénique. Donc ontogénique, je vous rappelle ce que c'est tout simplement qu'à l'état juvénile la coloration va être différente de la coloration à l'état adulte, ou inversement. À chaque fois je donne comme exemple Morinia viridis parce que c'est le plus connu, avec un changement qui est vraiment radical. Donc les juvéniles pulcra, souvent ils sont orange avec des bandes noires, et à l'âge adulte vous allez avoir un serpent qui sera rouge avec des bandes rouges qui seront un peu délavées mais avec le trait noir, et la fameuse ligne noire sur les flancs est plus ou moins visible. Et on finit avec la dernière sous-espèce la plus commune, qui est pareil, hein, qu'on peut trouver entre 50 et 100 euros. Là aussi on a un changement ontogénique. Donc à l'état juvénile vous allez avoir un serpent qui va être rouge avec des anneaux jaunes, et à chaque fois c'est séparé par un gros trait noir. À l'âge adulte vous allez avoir un serpent qui sera tout rouge, mais les traits noirs vont rester. En fait c'est le jaune qui va changer en rouge. Voilà. Donc là vous avez les trois sous-espèces les plus communes, celles qu'on trouve facilement sur les groupes Facebook, sur les sites spé, ou sur le bon coin. Ça c'est des animaux assez faciles à trouver. Maintenant on va passer aux animaux, les sous-espèces qui sont beaucoup moins connues, qui sont plus compliquées à trouver, et certaines n'en est pas trop du tout. Donc on va commencer par la porphyraceus. Donc la porphyraceus, pareil, il y a un changement ontogénique. Donc vous allez avoir un jaune clair avec des taches noires et cette fameuse lignée sur les flancs. À l'âge adulte, en fait, ça sera un serpent rouge avec des taches assez rouge foncé comme bordeaux, et avec les traits noirs. Le kawakami, tout aussi rare que le porphyraceus, avec un changement ontogénique lui aussi. Vous allez avoir un serpent juvénile qui sera jaune-orangé avec un trait, les fameuses lignées noires, là ça peut être une lignée rouge-noire, et avec des anneaux noirs sur tout le corps. À l'âge adulte, vous allez avoir un serpent qui lui sera lui aussi rouge. Maintenant cette lignée sera bien noire. Vous allez avoir les anneaux qui sont noirs vont tendre vers le rouge, donc on aura un rouge un peu délavé. Un rouge foncé, un rouge un peu délavé, mais vous allez toujours avoir les anneaux qui seront marqués par un pourtour noir.
Alors on passe à la dernière sous-espèce qui est la vaillantie, qui est aussi peu commune que la Kawakamila porphyraceus, qui est elle aussi un changement ontogénique. Donc vous allez avoir un serpent juvénile qui sera jaune-orangé, avec des traits rouge-noir, hein, c'est le fameux ligné, il est vraiment ressemblant au Kawakami. Donc une lignée rouge-noir sur tout le corps, et ces fameux anneaux noirs sur tout le corps aussi. À l'âge adulte, vous allez avoir un serpent qui sera rouge aussi, qui aura ces fameuses lignées noires sur tout le corps, hein. ça change pas. Mais en fait, ce qui va changer, c'est ces fameux anneaux noirs. Contrairement au Kawakami, vous avez l'intérieur de l'anneau qui tend vers le rouge et ça fait une couleur un peu délavée avec le pourtour qui est bien noir, qui est bien visible. Là, on va avoir ces anneaux qui vont être totalement délavés avec du rouge. Donc ce qui fait qu'on voit, on arrive bien à distinguer l'anneau, mais en fait il est beaucoup plus harmonieux dans le coloris du serpent par rapport au Kawakami, où là on voit bien une différence de teinte sur les anneaux et sur le reste du corps. Donc voilà, là je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il y a chez les Porphyra, enfin les Oreocryptophis Porphyraceus. Donc vous l'avez vu, hein, ils sont tous plus ou moins identiques, et à chaque fois ce qui change principalement, c'est ces fameux anneaux qui sont délavés, qui sont totalement différents, qui sont ceci, qui sont cela, et à chaque fois c'est la même chose. À l'état juvénile, ils ont quand même des bonnes différences. Il y a toujours, mais c'est toujours le même serpent, un serpent rouge avec ses deux fameuses lignes noires sur tout le corps, cette ligne sur la tête, et après ce qui change, c'est les fameux motifs. Donc c'est des serpents qui sont de petite taille, qui sont sympas, ça coûte pas très cher, le maintien n'est pas extrêmement compliqué quand on connaît bien l'animal, mais après c'est comme tous les serpents, hein, rien n'est compliqué tant qu'on connaît bien les paramètres et qu'on les respecte bien. C'est aussi un serpent fouisseur, un petit peu comme les mandarinus. Donc j'espère faire l'acquisition de prochaines sous-espèces prochainement. On verra bien. De toute façon, dès que j'en aurai, si j'en ai, ben, je vous les montrerai. Et voilà. Continuez à vous abonner, continuez vos commentaires, j'en ai de plus en plus et c'est de plus en plus plaisant à discuter avec vous. Et puis je vous mets quelques vidéos sur le côté. Et puis moi je vous dis ciao ciao.